Bon, on peut peut-être commencer, je ne sais pas si... Tout à fait. Hein? Tout à fait, c'est bien passé. Bon. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, le quorum n'est pas là, mais il n'y a pas besoin du quorum. 5 présents. Secrétaire de séance, est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui veut être secrétaire? Comme d'habitude. Bon, Michel, bon. Et Madame Gilles. Donc j'ai le pouvoir de me présenter tout le matin. Véronique Rubon, Serge Boucher, Michel Lemaire et moi-même. J'ai le pouvoir. Marie-Thérèse Le Gonnet qui donne son pouvoir à Romagnin. Raymond Boer qui donne son pouvoir à. Je ne sais pas. Ah, c'est le pardon, c'est terminé. Et David Masson qui donne son pouvoir à Serge Duchet. Donc, compte rendu de la séance du 24 septembre. L'approbation du compte-rendu. Alors, on n'assurera plus aucun compte-rendu. Quand je dis c'est aucun. Tant que les séances de conseil seront à 11h. Depuis le temps qu'on demande des séances de conseil en soirée pour que les conseillers qui travaillent puissent assister. On l'avait déjà, je pense qu'on l'avait déjà dit ça plusieurs fois. Donc, plus d'approbation de la réunion de conseil. Car, on ne convient pas. Bah, disons que les gens qui travaillent, se libérer à 11h, c'est un peu. Ils se foutent de la gueule du monde, quoi. Donc, décision du conseil municipal sur le compte rendu de la séance du 24 septembre, idem. Donc, vous avez bien compris. Approuvé donc par deux personnes, le Michel et la Cour. Les deux. Oui. C'est... Bien, on va passer au point 3. Institution et vie politique, Questembert Communauté. Participation communale au déploiement de la fibre optique de très haut débit. Le service comptable de la commune de Questembert, de la communauté de communes de Questembert, a émis le 17/7/2019 un titre exécutoire de recettes d'un montant de 8 855,50 € dont l'objet de la créance concerne la demande de participation en investissement et en fonctionnement. À la deuxième phase de déploiement du très haut débit par Mégalis Bretagne. Cette somme n'a pas été prévue au budget primitif 2019 de la commune. Donc l'ensemble du conseil municipal est consulté pour la question de la répartition des dépenses prévisionnelles 2019-2023. Donc à savoir que cette somme de 8 855,50 € serait à verser tous les ans pendant 5 ans. La décision modificative sur le poste de dépenses au chapitre 65 et le report ou non de cette créance sur le prochain budget primitif en investissement si les crédits sont insuffisants. Est-ce qu'il y a des questions? Merci. Qu'est-ce qui a été débattu lors des séances à la communauté commune? La communauté de communes, oui, bien sûr, c'est passé, bah oui, forcément. On a une délibération de la communauté de communes qui demande à chaque commune. Alors c'est en fonction forcément du nombre de prises raccordées à la fibre optique. Pour mémoire, à Rochefort, il y en a 199. Et c'est où tout ça? Pardon? C'est où? À 199 maisons à raccorder. Voilà. Maisons ou entreprises. D'accord.
pense que la zone est là. Qui ont fait la demande? Non, c'est plus. Pardon, c'est. C'est des gens, des maisons qui ont fait cette demande. Non, c'est Mégalis qui a fait son. Son enquête? Son enquête, et toutes les communes de la communauté, voilà, ils ont compté combien il y avait de raccordements à faire. Et c'est dans quel but, là, les fibres optiques? Pardon? C'est dans quel but? Non, c'est bon. Donc, quel but de fibre optique, si tu ne sais pas ce que c'est, à quoi ça sert? Ben non, je ne sais pas. Ben moi non plus, je sais. Ah bon. Non, mais c'est des questions vraiment un peu. La fibre optique, vous allez avoir la télé, vous allez avoir Internet, vous allez tout avoir. Donc, c'est pour vous faire un cours. C'est... Écoutez, appelez Mégalis, ils vont vous expliquer ce que ça veut dire. Ça pourrait remplacer l'antenne collective bon, qui est actuelle. Avec vocation à la Normale 2, là. Merci. Je ne suis pas un technicien ni de la téléphonie ni de l'Internet. Voilà. On propose à 23 000 habitants de la communauté de communes, ou à 25 000, d'avoir la fibre optique. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous le dis, moi. 130. C'est quoi le téléphone, le truc? 199. Donc il y a 50% qui sont pris par la communauté de communes et 50% par les communes. Il n'y a rien à demander aux contribuables, enfin contribuables, si, parce que. De toute façon, il faudra bien payer. Mais il n'est pas demandé au contribuable une redevance particulière pour ça. Aucun frais. Voilà. Donc, voilà, question vert à 2936 prises, Perlin 936, Mansa 1249, Béric 232, Lou 199, Saint-Gradé 88, La Prépa 32. Et 199, là, sont censés être branchés dans l'année 2020? Alors, je crois qu'on sera les derniers servis, puisque tous les autres sont les bien, bien lotis que nous. Nous, on reçoit quand même pas trop mal, apparemment, Internet. Donc là aussi, c'est Mégalis qui bon, ils desservent déjà les pays où vraiment ils sont très mal desservis, et nous ayant les compteurs, les cabines téléphoniques, enfin les cabines non, les centrales téléphoniques pas loin de chez nous, on reçoit assez bien, donc forcément on ne sera pas les premiers servis. Donc c'est surtout en fait pour les commerçants, c'est surtout pour les... C'est pour les particuliers. Il n'y a pas plus de... Non. Il n'y a pas plus de commerçants que particuliers. Moi, dans ma campagne à Puyarlin, je la recevrai de la même façon que Rochefort. C'est même pas le département, mais il y a surtout la région qui a décrété que dans 5 ans, on devrait couvrir 100% du réseau. Et quand je dis 100%, c'est bien 100%, y compris dans la campagne profonde, les gens auront la fibre optique. Et l'installation au domicile, elle sera payante alors? Non. C'est gratuit ça. Aujourd'hui, on reçoit. C'est comme un peu le téléphone. Vous avez les fils téléphoniques qui arrivent chez vous. D'abord, ils vont se servir des fils téléphoniques pour la fibre optique. Par endroit, elle sera enfouie sous terre. Et par endroit, comme dans la campagne, ils vont se servir des enseignes téléphoniques pour accrocher leur fibre. Et la fibre, peut-être c'est gros comme un cheveu. Et donc, ils ne vont pas l'enfouir forcément. La campagne, ça coûte très cher. Donc, ils vont se servir des lignes téléphoniques pour accrocher sur les lignes cette fibre qui ira à tous ceux qui sont raccordés au téléphone. Et donc, c'est eux qui vont faire les comptes, et nous, on a 199. Alors, par contre, il y a 8855 à payer tous les ans dans 5 ans. On est pauvre, mais le problème pour qu'on soit raccordé les derniers, est-ce que c'est pas parce qu'on a été présenté aux réunions? Non, il y a longtemps. Ça fait 5 ans qu'on travaille dessus et que ça. Non. C'est uniquement parce que à Rochefort, on reçoit relativement bien. Voilà.
des pays comme là, il y a même des difficultés avec le téléphone. Donc, vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, ce sera reporté l'année prochaine. La communauté de communes veut bien que certaines communes qui n'avaient pas prévu ça au budget reportent ça l'année prochaine, ce qui ferait l'année prochaine, au lieu de 8 500, le double à l'année. Non, on va récupérer ça. On va déjà les derniers être tranchés. Voilà. On va déjà prendre un peu, on s'en prend. On n'a pas beaucoup d'explications là-dessus sur le finance, 8 000 euros. Sur 5 ans. Ben oui. Ça avait été d'ailleurs, c'est mal compris, par bon nombre de communes. Puisque du coup, le pensé c'était la somme divisée par 5. C'est-à-dire 8 800. Enfin, pas. Pour nous, ça aurait été 8 555 divisé par 5. Mais non, c'est 8 855 par an pendant 5 ans. Et autant, il y a une partie pour le fonctionnement et une partie pour l'investissement. Donc moi, je m'abstiens. Moi aussi, je m'abstiens. Bon. 4 abstentions. 4 abstentions, moi je suis pour. 2 pour. 4 et 4 pour. 2 pour et. Moi je suis pour. Tu es pour ? Oui. D'accord, 3 pour. Non, t'as un pouvoir. Oui. T'as pas de pouvoir ? Olivier, il m'a donné un pouvoir ou quoi ? Non, j'ai pas. Ah bon, je comptais. Non, non. Donc 3 pour. C'est un d'abstention, donc vous avez un pouvoir ? Non, non. 4 pour. Tu as des pour. 4 pour. Plus son pouvoir, ça fait 2, 3 et 4. L'assainissement collectif. Donc, à la dernière réunion, je vous avais fait part de re-signer la convention avec la Sœur et Puerlin pour, puisqu'on avait changé la convention lors du dernier contrat. À savoir que la mairie de Puerlin nous doit en gros 25 000 euros de l'année dernière, 25 000 euros de cette année. Et ils vont nous devoir 25 000 euros, je parle toujours en gros, l'année prochaine, ce qui ferait quand même 75 000. Donc je vais rencontrer René Damilet, qui s'inquiète un peu parce qu'il ne se représente pas. Il ne voudrait pas laisser à la commune de Puerlin une dette de 75 000 euros, même si elle est budgétisée chez eux. Comme il dit, c'est pas tout à fait normal. Vous m'aviez dit que vous aviez un manque d'informations sur cette convention. Cette nouvelle convention, vous avez dû la voir, parce que vous l'avez étudiée. Maintenant, j'ai besoin de savoir si vous l'acceptez ou pas. Oui. On l'accepte. Ok. Donc, un protocole transactionnel cachant la convention, pièce justificative de paiement à l'appui de la liquidation de la dette de la commune de Puerlin. Donc, mot des pour, à l'unanimité. Merci. L'urbanisme, demande d'acquisition de biens soumis au DPU. Donc, une parcelle AB 218, 3 places du puits de 43 mètres carrés, une parcelle de AC 201, AC 219. Lotissement de la Vacherie de 643 mètres carrés et une parcelle AB 368, 53 rue du Vieux-Bourg pour 98 mètres carrés. Est-ce qu'on peut avoir des infos sur la première qui achète qui achète AB 218. Si vous avez tous les renseignements, même des autres également, tant qu'à faire. Qui est le vendeur et qui achète ? Vous avez... Vendeur, monsieur, à la bouche. Ah oui. Hein ? Oui. Malabeuf, Humour.
pour ça que je voulais voir, parce que je n'étais pas sûr. Voilà, c'est Humour, Vincent, sans doute. Je croyais que c'était une société, mais non, c'est mon fils. C'est votre fils. Et qu'est-ce qu'il veut en faire? Ah, ben ça, attendez, c'est tout. D'accord. Ça ne regarde absolument personne. Ah ben non, mais... Monsieur le maire, il n'était pas au courant. Si, vous mais avez, je ne savais pas si c'était... Vous apprenez ça ce matin en pleine réunion. Je ne sais pas si c'était en son nom ou dans le nom de société. LCI, parce que oui. Mon fils a plusieurs sociétés, oui. Et je ne savais pas si c'était en son nom propre. Je n'avais pas... Voilà. Si ça avait une société, je devais amener le nom de la société. Oui. Apparemment, c'est Hugo ou c'est Hugo. Hein? Mais voilà, non, mais pour faire vous avez des projets sur ce bâtiment? Peut-être. Pour pas faire l'étonner dans ce cas-là, parce que même j'ai pas fait l'étonner, je vais voir le document pour voir. Même donner le monsieur, tu sais pas qui est le vendeur. Et, si c'est peut-être un monsieur maladeux, c'est toi qui as fait la transaction à la charrette. C'est moi qui C'est toi qui étais là à la transaction pour l'acheter. Pas pour le louer, du moins, au début. Donc tu connais très bien le fond d'histoire. C'est pas la peine de dire, oh, je sais pas qui c'est. Non, je ne sais pas qui c'est. D'accord. Non. Je ne savais pas si c'était une société de mon fils ou mon fils en autre. Tu parles de propriétaire. Apparemment, c'est Hugo. Bon, ben, je vous donne le nombre qui est inscrit sur l'acte notarié. Mm-hmm. Bon. Est-ce qu'il y a des observations quant à ces DPU pour ces trois bâtiments? Alors, pour le premier, oui, on demande réflexion. Bon, alors là, ça va finir au tribunal, tout ça, parce que là, ça devient extrêmement grave. Je suis visé personnellement par l'intermédiaire de ma famille. Non, mais attendez. Et pourquoi demander notre avis? C'est l'obligation du notaire. Voilà. On a droit aussi de prendre des... Le lotissement de la Vacherie, on peut savoir qui... s'il y a des nouveaux habitants, ce serait bien de savoir. Mais, attendez. Est-ce que vous faites à la tête du client? Non, parce que si vous faites à la tête du client, je regrette. Vous faites à la tête pas de vos clients. On a besoin de savoir qui achète, parce que des fois, on pourrait empêcher la vente. Non, mais attends, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Allez. Comme c'est Humo, on demande un complément d'information. Je ne vois pas ce qu'on peut vous donner en complément d'information. Ça va aller très loin, ça. Il y a peut-être... C'est assez grave ce que vous dites là. Non, vous faites à la tête du client. C'est de ma famille, donc on va l'empêcher. Non, mais attendez. C'est vous qui avez dit ça. Est-ce que vous avez l'intention de préempter? On vous demande réflexion. Mon Dieu. Bon. Ma mère. Le bâtiment de ma mère. Bon, ton sourire est ironique, ça. Ah, mais je souris même pas. Bah non, je souris. Alors là, vous... Le lotissement, là, c'est pour une habitation? Le lotissement de la Vacherie, c'est ici, à la maison. Ça, c'est pour la Vacherie, c'est la question posée après. Ça, c'est la Vacherie? Oui. Celle-là. Oui. 24, le bleu nique. Voilà. D'accord, monsieur. Vous ne demandez pas si c'est l'électricien, votre copine. Ah non, mais c'était même pas pour savoir ça, c'était pour savoir si c'était pour faire une construction. L'architecte, ou quelque chose comme ça. Non, mais attendez. C'est une parcelle, là, c'est du terrain. C'est pas du. C'est construit. Non? C'est une terrasse, c'est une parcelle. Bah, tu vois, on n'est pas les seuls à poser la question. Il faut faire des calages. Vous avez des points pour les trois points pour le lotissement. Si c'est bien, c'est non bâti. C'est le plan. C'est celui-là, ouais. Il n'y a rien. Ils ont
fait deux parties en lot numéro 11 et 12, du lotissement de la Vacherie. C'est 201 et 219, 314 et 329 locales. Ah non, c'est et les constructifs, c'est un peu. C'est pour. C'est vous qui avez construit. Ça fera des nouveaux arrivants. Et le vieux bourg ? Ça paraît qu'il achète et qu'il vend. C'est rien qui achète. Mais attendez, c'est incroyable ça. Et en quoi ça vous regarde ça ? On vous demande si vous êtes contre la vente et il faut avoir une bonne raison. Il faut avoir une bonne raison pour être contre. Ça veut dire que la commune peut préempter parce qu'elle veut agrandir un parking. Parce qu'elle veut faire, je ne sais pas, un bâtiment industriel. Enfin, oui, mais c'est quand même des choses qui se discutent en débat. C'est quoi ça? Mais attendez, c'est ça la vie de communale chez vous? C'est, ah, on ne veut pas vendre un tel, donc... Mais apparemment, si, quand même. Mais c'est pas la décision d'une seule personne, quoi, je veux dire. Mais c'est quoi ces décisions? Comme les vôtres. Ça s'étudie, quoi. Ouais. Donc la question, c'est le droit de préemption ou quoi? Et la question est toute simple, voilà. On ne préempte pas sur les deux derniers. On ne préempte pas sur les deux derniers. Et sur le premier? Il n'y a pas plus d'explication. Explication de quoi? Qu'est-ce que vous voulez que l'explication? Il y a un acheteur d'un bâtiment. C'est quoi les explications? Allez-y, argumentez un peu, parce que là, c'est très grave. Hein. Non, on ne préempte pas. Mais alors, pourquoi vous ne voulez pas... Allez-y, expliquez-vous. Mais quoi? Pourquoi on veut pas? Pourquoi vous n'acceptez pas le DPU? Moi, ce que je dis, c'est que avant, ça serait bien qu'il y ait des réunions non. Et qu'on sache ce qui pardon. Se passe. Qu'est-ce qu'on veut faire de ça? Est-ce qu'on pourrait éventuellement s'en servir? Non, on n'a pas... Voilà, même c'est... moi, je n'irai pas demander aux gens... D'accord, je ne regarde même pas les noms, généralement. Voilà, il y a un bâtiment à vendre. Bon, je regarde le plan, mais ça ne m'intéresse pas, il n'y a pas de... Attendez, ça fait 18 ans que j'en signe, c'est la première fois que je vois ça. La mairie peut s'en servir, mais vous pouvez faire, il y a 43 mètres carrés, tu vas faire une construction, autrement tu l'as fait monter de 10 étages, tu vas avoir du potentiel. Bien sûr, il y a un commerce donc actuellement, non mais il y a pas de souci, il y a un commerce actuellement. Et alors? Et pourquoi pas, je suis d'accord. Mais quelle est la vocation du prochain... Mais on n'en sait rien. Quand tu achètes une grange dans un endroit, on fait ce que tu veux. Après ça regarde les services de l'État. Si tu veux faire une maison, tu fais ta demande de permis de construire. Et si tu veux garder le terrain pour planter des choux, tu plantes des choux. Non mais attends, est-ce que je vais te demander, moi Claude, si dans ton terrain, tu vas planter des betteraves ou des choux l'année prochaine? Bah non, bah alors... Je suis propriétaire, je ne le vends pas. Bah oui, mais même si tu le vendais. Même si tu le vendais. Oui, mais c'est pas le cas. Non mais... Mais c'est tout ça d'une merde. Débilité. Je ne sais plus quoi penser. Là. Tellement c'est mes petites cours d'école ici. Non mais on se met à votre niveau. C'est pire que tout. Donc le premier, bon, on va pas rester là-dessus. Le non, premier, non, on s'abstient pour tout. Demande de vous abstenez pour tout. Oui, comme ça. Ouais. Bon, abstention et de vote. Entretien du matériel roulant. Le camion Bell est en panne. Il y a 3639,91 € de réparation. Il faut changer la boîte de vitesse. Il y a deux propositions. On a prévu deux, parce que ou on le répare pour 3639, ou on achète un autre véhicule, à peu près le même, avec une benne et la caisse entre la cabine et la benne, pour 17 000 € TTC, avec reprise de l'ancien pour 1666. À savoir qu'on a un petit problème quand même, puisque ce camion n'est pas amorti. Ouais. Il y avait 8 ans d'amortissement, il est rendu à 4. Ça a repris combien? Voilà. 1766 de retour.
1766. Hein. Et vous avez fait qu'un seul devis en fait pour la réparation. Oui, parce que je ne vois pas emmener un camion dans un garage, il démonte, puis leur dire ben maintenant je reprends, oh, on peut si vous voulez. C'est une question. On a déjà fait des frais sur ce véhicule-là avant. Eh oui. Oui. Alors j'invite tout le monde à aller acheter des camions dans une boîte jusqu'où qui se vendait à. À Vannes, c'était le Pérou, si M. Bouert s'en occupait, j'ai vu la boîte, on m'a invité à aller voir quand même, sous le pont, comme ça, une boîte de vitesse qui a été ressoudée sur, comme ça et comme ça. Je n'avais encore jamais vu ça, je connais un peu la mécanique. Donc cette boîte de vitesse avait été réparée avant de vendre le camion, forcément. Les gars se plaignaient toujours que les vitesses étaient extrêmement dures. On a dû changer deux ou trois fois le câble de levier de vitesse, que c'est une commande à câble, que ce câble cassait. Et la dernière fois, là, il a encore cassé. Et là, ils ont dit, c'est pas possible, il y a un problème. Ils ont mis le camion sur le pont. Et là, les gars, ils ont découvert, ils ont fait faire une analyse de l'huile de la boîte de vitesse. Et dans l'huile, oui, il y a des déchets de graphite, de bronze, donc la boîte est complètement morte. Et puis, là-dedans, ça ne doit pas travailler en ligne, et c'est pourquoi la vitesse était dure depuis le début. Donc, il y a une solution, c'est de changer la boîte. Une boîte, ça coûte 8000 euros, peut-être pas. Là, ils ont trouvé une location à 1500. Voilà. Garantie quand même. Il y a combien de temps qu'on l'a, là ? Ça fait 4 ans. Et il reste combien de temps encore 4 ans d'amortissement. Il est amorti sur 8 ans. Non, le plus dommage, c'est d'avoir acheté un véhicule qui était au départ en fait, bien à rond-point. Disons que ça peut arriver à tout le monde, même à nous. Quoi. Oui, on cherche des véhicules tout commun. C'est bien. C'est sympa, la solidarité. Oui, au moins. Bien, bon, ça ne donne pas la réponse. Et le remplacement. Hein. On n'achète pas un neuf, on remplace la boîte. Hein. On remplace. Pour 1500 euros. Non, 3600 pour 1500 euros. Avec la main d'œuvre, donc 3600. Avec toute la main d'œuvre et. 1639. Oui. 3033, 26 hors taxe, soit 3639,91 ETC. Mais autrement, en véhicule d'occasion, il n'y en a eu qu'un de trouvé. Il n'y avait pas d'autres J'ai demandé, parce que je voulais avoir une ordre d'idée. Oui. J'ai demandé là où on a emmené le camion. Il en a un. Il en a qu'un d'ailleurs, qui correspond à peu près à celui qu'on avait en poids. Est-ce que pour éviter de faire la même connerie, est-ce qu'il n'est pas mieux d'attendre un peu, de revoir un autre, d'autres fournisseurs, d'autres clients éventuellement? Alors, si là, vous voulez vous en occuper, vous en occupez, très bien. Il n'y a pas d'urgence, Il y a des branches au bord, de la châtaignerie et tout. Si tu vas chercher des machines à refaire avec le tracteur, parce qu'il y en a besoin justement, au niveau de la châtaignerie, il y a du broyage à faire, mais le broyeur, il ne va pas aller chercher le tracteur. Et après, il faut tout faire. Ouais. On peut louer aussi un véhicule pendant 2 mois, éventuellement. On prend cette option-là. Oui, il y a un contrôle technique qui a été fait l'année dernière. Oui. Les contrôles techniques ne s'occupent pas de. Oui, mais ils ne s'occupent pas de la mécanique. Ils pas de la mécanique. Ils s'occupent des freins, des trucs de sécurité. D'accord. Mais enfin, on peut voir si le véhicule a des frais à faire sur le contrôle technique autre que la boîte de vitesse. Aujourd'hui, apparemment, il y a que la boîte de vitesse. Ouais, l'option qui a été faite depuis un peu, c'était toujours acheter du vieux matériel, du vieux tracteur, du vieux camion, tout est. Il y a des frais à faire. Hein. Il faut continuer comme ça, c'est bien. Mais s'il faut en louer un, il faut en louer. Ça va coûter 3 000. Ouais, ça va coûter plus de la boîte de vitesse, quoi. Au moins à moi. C'est pareil, on demande ça comme ça. Et vous l'avez, le véhicule que vous avez vu, vous l'avez testé aussi? Ah non, pas du tout. Moi je demande un peu, ça va, hein?
commission des travaux, elle est où? Il n'y en a plus. Bon, alors, moi, j'ai... Il y a un camion, je dis, mais ce gars, il n'est pas à vendre. Si, il est à vendre, c'est le seul que j'ai. Bon, ben, voilà. Puis, tu me fais un devis, terminé, je n'ai pas envie de prendre la tête avec ça. On n'est pas convié. La commission des travaux, elle existe toujours, c'est que... Ça ah bon fait... C'est que, ah ouais, c'est nouveau. Bah, c'est que oui. Nous, on en bon, fait nous, partie. Nous, oui, oui. Bon, vous décidez quoi, là? Bah, on va pas passer la journée là-dessus. On vous l'a dit, là. Alors, on fait réparer, on en loue, on en achète un, on fait quoi? J'aimerais vous l'entendre dire. Bah, on l'a dit. On répare la boîte de vitesse. On répare la boîte de vitesse. On répare la boîte de vitesse. Ok. Allez, à l'unanimité. Je suis d'accord. Subvention CCAS. Oui. Non, il y a l'entretien des espaces verts. Il y a l'entretien des espaces verts, du site du château de Rochefort-en-Terre. J'ai un devis pour un montant de 946 euros. C'est pour l'entretien de tous les ronces et tout ce qui peut pousser sur les murs de l'enceinte du château. Vous avez un seul devis? J'ai un seul devis, il y a à prendre ou à laisser. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord? Normalement, il faut plusieurs devis, non? Non. Pas pour 946 euros, on n'est pas obligé. Vous avez fait en sorte qu'il fallait des gens déjà pour nettoyer toutes les rues et tout ça. Ça pouvait bien faire, hein, pourquoi pas. Il n'y avait pas eu beaucoup de monde. Mais... Moi, je pense que les journées citoyennes, c'est quand même une bonne chose. Oui, bon. Non, mais Michel, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. On laisse le château se dégrader avec des noisetiers qui poussent dedans, des châtaigniers, le voisin qui. Il sera en droit de porter plainte. Et il aura raison. Moi, je ne suis pas au courant pour les deux. Alors, 946 euros. Donc, il n'y a pas besoin de plusieurs devis pour une somme de 900 euros. Non, non, non. D'accord. 946 euros, c'est l'ensemble du périmètre du château. Tout l'arrière de ton côté. Tu habites. À l'est, le long du mur de soutènement, abattage des arbrisseaux poussant dans le mur, débroussaillage le long du mur à la pelle et débroussaillage sur 6 à 8 mètres de large pour l'ensemble des travaux. Le branchage broyé sur place, débroussaillage aussi sur place, tel que forfait déplacement inclus. Tous les végétaux, comme tu dis, c'est sur place, donc c'est les employés communaux qui vont ramasser après. Ah oui. Il y a le broyage et puis ce qui est laissé sur place de les gros. Non, le débroussaillage laissé sur place. Oui. Ben, ce qui ne passe pas dans la. Broyeuse. Dans la broyeuse sans doute. Ok. Vous êtes d'accord? Oui. Merci. Oui. Subvention CCAS, dans le budget du CCAS, une subvention d'équilibre, a été prévue en recette. Les crédits ont également. Était prévu en dépense au budget commune pour 3 200 euros. Cependant, une délibération du conseil municipal est nécessaire, décidant d'attribuer et fixant cette subvention d'équilibre entre le budget commune et le budget CCAS. Il faut savoir que là aussi, la DLR a payé la subvention de la DLR et subvention, comme tous les ans, d'équilibre pour le CCAS. Juste pour info, pour le repas, vous avez pris quel organisme? Est-ce que c'est un traiteur? Je crois que c'est un traiteur de fruits. Hein. Le même que l'an dernier, il me semble. Il n'y avait pas de restaurateur sur la commune qui pouvait être. Je crois que c'était moins cher et c'est logique que pour ceux qui. Qui s'occupe de ça avec Lilian Monnier. C'est la DMR, hein. Elles ont fait le tour de Popote, enfin le tour, il en a eu quelques-uns. Lui, c'est le plus. Enfin, c'est le moins cher. Et puis, apparemment, c'est très bien. C'est le boucher chez non, 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 c'est pas. Non, c'est le restaurateur. Non, c'est. Non, plus. Je crois que c'est un traiteur. Très bien. Ah bon? Un traiteur qui n'a pas de pied sur. Ah ouais? C'est ça chez lui. Ah d'accord. Et on peut savoir. Non, il a aussi un truc à Malensac. Hein, un atelier. Oui, un atelier. Ah oui, d'accord. On peut savoir qui c'est? Non, son nom c'est comment? Je ne sais pas bien. Mais son nom, je ne sais pas. Vous ne savez pas qui c'est?
1.8 recours de, à des prestataires extérieurs pour la manifestation des illuminations de grève. Il n'y a pas 2.8. Non, 2.6. 2.6. 2.6. Ouais, bon, peut-être. Bon, recours donc à des prestations extérieures pour l'organisation générale, pour l'accueil. Donc, il y a eu des devis de fait, un devis de la société AOS, location de matériel. Donc, pour un montant de 720 euros, ça concerne les haut-parleurs qui sont disposés dans les rues. Qui sont déjà mis à la... qui sont déjà mis. On peut les démonter. Non, mais c'est une question. Divers besoins, un petit outillage de la société ATAC et CKVR. Ça concerne la rubalise, puis des poteaux acier pour sécuriser sur les 2 km de rubalise demandée. Pour le secours à personne, un devis d'ADPS 56 pour assurer la sécurité du public. Donc pour un montant de 2400. Plus les boissons, les repas, pour un montant de 400. Là, bon, c'était ce qu'on avait dépensé en dernier. Bon, on va dire 417 en dernier, peut-être 430 cette année. Voilà. Et le dispositif de sécurité, donc avec la société Job et Box, pour un montant de 25 531,68. Alors, on va faire. Voilà. Donc. Plutôt que de vous expliquer, il était à la préfecture avec nous il y a 15 jours. Comment? Il était à la préfecture avec nous pour tout ce système. Oui, désolé que... T'as vu ce que nous a imposé, donc je n'entends rien. Ah ben j'ai surtout vu, moi, la médiocrité de notre représentant. Oui. C'est catastrophique l'image que tu as pu... Moi, c'est quoi pire que tout à l'heure avec le début, hein. Je ne sais pas. Moi, j'en suis sûr. Ouais. Par rapport au conseil départemental, à la préfecture, les services de gendarmerie, les maires de Malensac et Puberlin, mais qu'est-ce qu'ils ont pu voir, c'est le représentant de Rochefort-en-Terre, mais c'est catastrophique. Ouais. Ah, je vous signalerai là, qu'aujourd'hui, aujourd'hui, si vous êtes enregistré, là, j'arrive des plus beaux villages de France, dans le sud. C'est marrant, parce que dans la commission, il y a une vingtaine de maires. Il y en a à peu près 10 qui suivent de près le débat. Voilà. Côté municipal. Ah ben j'imagine, sûrement. Et là, franchement, ils n'en reviennent pas. Ben notre côté non plus, hein. T'as un conseil qui est là pour son intérêt général ou l'intérêt général pour son intérêt personnel. Bien sûr. Non, intérêt personnel, mon Dieu. Non, mais je suis super dans cette commission. Voilà. Je suis super dans cette commission, je n'ai jamais. On est là, on parle. Oui, mais on peut continuer sur le sujet. On peut continuer sur le sujet. Je continuerai sur le sujet. Je suis suppléant, je n'ai jamais été invité. Oui. Et j'aurais peut-être pu ramener des informations autres que celles que tu me ramènes. Le préfet. Et c'est dans le même cas que la préfecture. Justement, Manien, ça t'embête que je ne peux pas être jugé parti. Je suis passé encore hier, je regardais, quand tu dis que les bornes incendies ne sont pas sécurisées, on peut se garer devant. Je regardais les clos dans la cour, dans la parking de l'école. Ils sont toujours là, ils n'ont jamais été enlevés. Alors que tu viens de nous dire qu'on ne pouvait pas approcher des bornes. Non mais attends, quand tu refuses même... Continue. Quand tu refuses même l'entretien... Et c'est faux, justement, faux. Tu t'es abstenu après. Oui. Voilà. C'est bien. Je me suis abstenu sur le vote. Alors que tu l'as dit en préfecture, j'étais contre, donc c'est tout faux. Tu étais contre au départ, tu t'es aperçu après que tu avais fait le... Oui, je m'abstiens. Je m'abstiens. Mais à cette réunion de préfecture, M. Launay était habituellement... Mais c'était logique qu'il y soit, il était lui. Qui ça? M. Launay était, je ne sais plus, il ne doit plus faire partie des proches, sans doute, de M. le maire. Je n'ai pas demandé non plus. Il n'a pas demandé, il n'était pas convié. Mais ne s'occupe pas de la sécurité. Il a été écarté. Bah, qui? Ben si, à vous. Qui s'occupe de la sécurité en quarantaine? Ben c'est... Apparemment, il y a quoi? Ben oui, on voit d'autres choses. Vous vous en occupez, vous ? Ben une église qui est défavorable depuis 2 ans. Mais qu'est-ce que ça vient faire ? On parle de... Oui, ben, moi, je parle de sécurité.
Je bon. Te parle de sécurité. Visite périodique. C'est pas l'ordre du jour. Ça visite pas, périodique. Alors, mais de la maison, ça n'est pas l'ordre du jour. T'es arrivé trois quarts d'heure après. Tu imagines? Trois quarts d'heure après. Et la dernière avance, c'est Marie-Thérèse Le Clenec sur son temps de boulot qui est venue signer. À la place du maire. Et quand toi t'es arrivé, t'es dit, ah bah oui, je suis indispensable. Mais non, le maire n'est pas indispensable du tout à cette visite-là. Il faut qu'il soit représenté, s'il ne peut pas se déplacer, c'est tout. Et pas par n'importe qui, un élu. Ben oui, mais tu vas finir par comprendre ça dans tout le mandat. Il m'aura fallu presque 20 ans. Ben oui, et il a fallu que tu dises aussi à cette réunion que tu étais l'organisateur. Il a fallu attendre tout ce temps-là pour comprendre ça. Alors, avant, c'était les gens de Rochefort qui mettaient les lumières et les gens venaient. Que je suis organisateur. Oui, c'est ce que tu as dit à la réunion. Hein. C'est toi l'organisateur. Ah, bon. Ah ben oui, c'est noté. D'accord, il vous prie, mais c'est pas grave. Ah ben, moi j'ai très bien compris. Oui. Ah, j'ai toujours prêché que je n'étais pas un organisateur d'un événement. Ah non, mais c'est ce que... Ah non, mais c'est ce que tu as dit à la réunion. Bon. Ah ben si. On attend comme on peut. Non. Moi, je vous pose la question, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Mais voilà. Cette réunion, ça serait pas possible d'avoir un compte rendu? De quoi? De cette réunion que vous avez. Oui, il y en a 60 pages. Eh ben justement, ben on le veut, 60 pages. Donc, je vois Alain là-bas qui a fait préparer ce dossier donc, pour la sécurité. Est-ce que tu pourras transmettre d'un clic cette page à ce monsieur-là? C'est un dossier qui devait arriver en mars 2019. Il est arrivé. Oui, il est arrivé en deux de page. Deux jours, oui, bien sûr. Deux jours avant la réunion. Oui, bien sûr, oui. Deux jours avant la réunion. 15 jours avant la réunion, j'étais personnellement avec le préfet. Et la personne qui amène le dossier. La personne qui amène le dossier. Et tu ne devrais même pas venir. Je lui dis. Ah, c'est ça qui te gêne, hein, eh oui. Ça te gêne, hein. Ah ouais, il y a un témoin qui te gêne, dans ces cas-là. Donc nous sommes en grand rassemblement ou pas cette année? Pardon? Nous sommes en grand rassemblement ou pas cette année? C'est la préfecture qui l'a décidé, donc voilà. Ben, je vous pose la question, est-ce que nous sommes? Ben oui, oui. Et l'année dernière, on ne l'était pas? Non. Alors c'est bizarre parce qu'on nous demande quand même vachement... Oui. Vachement plus de sécurité que l'année dernière. Bon. Je vous demande, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Alors, on veut un autre devis. Donc, parce que vu ce que ça engage. Que le conseil a décidé qu'il n'y aura pas de sécurité. Donc, non, on n'a pas. Non, mais Véronique, il est trop tard. Tu te rends compte de la faute? Ah, il est trop tard. Si tu en demandes un autre, bien sûr. La faute à qui? Il est trop tard, la faute à qui? C'est vous? Vous avez vu le montant? Comment ça se fait qu'il y a plus de 5000 euros de différence entre cette année et l'année dernière? Il y a deux pompiers là. Déjà, la sécurité, ça déjà on n'a pas le devis. T'es pas ancien pompier? Non, mais là je suis pas pompier. Je sais même pas ce que c'est. On n'a pas eu le devis. Non, mais c'est n'importe quoi. Vous pouvez pas occuper, tu t'en es occupé au départ? J'aimerais, non. Après tout ce que tu commences, tu le finis. Oui, bien sûr. Monsieur Condon, c'est pas tout le monde. Bah non, c'est pas tout le monde. Bah non, c'est lui qui vous provoque les réunions. Qui... Ah non, pas du tout. Bah non, comme vous avez dit, c'est pas notre gourou, hein, vous inquiétez pas. Hein. Bah non. On est capable de. Il est assez malin pour envoyer. C'est pas du tout. Après, l'autre est en casse-pied, pas du tout. On l'a vu hier, venu me voir. Ça fait rigoler un peu. Oui, vous avez fait rigoler pas mal de monde aussi avec votre discours. Vous êtes incapable de vous rappeler des noms. C'est lamentable. Vous voulez le devis de quoi? Eh bien, le devis de Job and Box. Et un nouveau devis. Et on arrive à un coût global de combien pour ces illuminations de sécurité? Ben, vous faites le total, hein. Ouais, sans compter les forces de l'ombre. Vous avez fait un petit peu... Vous avez vu un petit peu combien il fallait de gendarmes, combien il... Non, j'ai oublié. Ouais. Ben non, mais on voudrait avoir ça. Vous nous dites, faites le total. Voilà ce qu'il y a. Un point barre, c'est tout. Le préfet vous a demandé. Je n'ai pas de gendarme à payer. Ah bon? Ah bon, ben non. Ah ben on attend le rapport alors. Oui, ça doit être dans le compte rendu alors. Dans quel compte rendu? Ben, le compte rendu de la réunion, c'est issu de cette réunion que vous parlez là. Alors expliquez-nous pourquoi on a reçu en pièce jointe. Comme quoi il fallait des gendarmes pour assurer la sécurité à 20 euros. Mais ce là, c'est l'État. S'ils veulent envoyer des gendarmes, ils envoient des gendarmes. Bon, s'ils veulent envoyer des sentinelles, comme l'an dernier, ils enverront des sentinelles. Mais ce n'est pas à nous de payer ce service.
Ah bon? Ah bah je suis désolée. Ah bon, ah bon, arrête de dire ah bon parce que. C'est pas ce qui était noté. C'est pas ce qui était noté. On a une participation des commerçants qui s'atténue de plus en plus. ADPS. Jean Bébox. Numéro 25531-68. Pour 430 heures de travail. Voilà. 430 heures, mais ça inclut quoi dans ce devis? Ça inclut quoi? Ça inclut 8 personnes pour vous faire parvenir. Ah, bah oui, avant le planning, il y a 8 personnes pour faire la circulation sur la route. Voilà. Et pour tenir les bornes aux entrées. Et qui après, vous avez le devis ADPS. Il y aura 4 secouris. Un en permanence, à l'ancienne de perception, et 3 à se promener dans les rues. Ils sont munis de talkie-walkie et pourront communiquer entre eux et avec ceux qui sont au bord. Après, vous avez Pixel à l'OS. Pour un montant de 720, ça concerne donc les haut-parleurs avec l'ampli qui sera donc lui aussi à la l'ancienne perception et où le DPS pourra annoncer s'il y a un problème quelconque. Après, vous avez à ta photo un devis de 150 € pour 2000 mètres de rubalise qui seront positionnés là où il y en a besoin dans les rues pour interdire aux voitures de stationner. Et tout ça sera mis sur des fers torsadés, il y en a pour 99 €, ce qui représente à peu près 60 piquets en acier. Voilà. Bon, ça vous suffit? Ouais, vous nous envoyez ça et puis on remet ça, on votera ça. Bon, pourquoi il y a la moitié des commerçants qui ne payent plus non plus? Ah, mais c'est la plupart. Ah oui, mais on ne peut pas obliger les commerçants. Complètement, mais c'est eux les premiers intéressés. Ah, mais tu vas aller voir, tu discutes avec eux. Non, mais on a des décisions à prendre au niveau du conseil municipal. Je pense qu'il faut arrêter. On ne peut pas obliger un commerçant à payer. Il y a des impôts, il y a des taxes, il y a. Ça, d'accord. Mais après, on ne peut pas imposer aux commerçants de payer. Ça fait 9 000 € en moins sur le budget, là. Ah ben, je la prends. Voilà. Moi je suis pour diminuer la période des illuminations pour rester à 3 semaines et pas plus. Ah oui, les frais sont les mêmes. Et ça change pas. Ça dure 3 semaines ou 4 semaines, les frais sont les mêmes. Bah non, les services de sécurité ne vont pas de là si ça dure 3 semaines. Tu gagnes un week-end. L'éclairage. L'éclairage. Le temps passé va diminuer, donc la facture va diminuer aussi. Mais vous l'acceptez ou pas? Je demande à voter pour la période des illuminations. La période est fixée du 29. C'est vous qui l'avez fixée. Au 5-6. Si vous n'en voulez pas, c'est pas compliqué. Je sors, je dis aux gars, stoppez tout, les gars, allez ramasser les feuilles mortes, on arrête tout. Là, et l'année dernière, je l'avais dit, vous ne m'avez pas cru. Est-ce qu'on a dit ça? Mais allez-y, essayez. Vous voyez le chantage? Moi, c'est moi le chantage. Et vous dites que c'est nous qui faisions du chantage? Non, la préfecture. Moi, je me suis engagé, si on allumait... Pourquoi vous prenez des décisions avant de passer par... Parce que la sécurité, c'est moi. La sécurité, c'est moi. Là, on ne parlait pas de sécurité, on parle des illuminations. Et les illuminations, depuis 20 ans, je ne vous ai pas attendu. Elles sont nées bien avant que vous soyez à la mairie. Elles ont toujours eu lieu comme ça, dernier week-end, parce que ça a toujours été. Mais c'est pas bien. C'est pas bien, d'après vous, les illuminations? Il y a pas besoin de... Ça peut autant de temps que ça. On peut en discuter, ça peut évoluer. Ça peut évoluer au minima ou en Dieu. On peut en parler, oui, effectivement. Cette année, c'est comme ça. L'année prochaine, vous déciderez comme vous voudrez. Voilà, je suis maire, je fais ce que je veux. Cette année, il est prévu, c'est du 29, c'est comme tous les ans. Du 29 au fin des vacances. Et voilà. Et ben moi je vote pas pour s'il n'y a pas de diminution de la durée. Mais tu votes contre. Voilà. Voilà. Donc ça veut dire que tu serais contre les illuminations? Non, sur la durée. Est-ce que tu arrives à comprendre? Mais attends, vous voulez la mettre à combien? La durée, je te parle. 3 semaines. 3 semaines, tu pars à quand? Les deux vacances de Noël et la semaine d'avant.
Donc ça donc c'est comme ça que ça. C'est comme ça que ça. Non, on ne vote pas tous contre les illuminations. On demande une. Non, non, bah non. C'est prévu comme ça, les devis sont faits comme ça, cette année ce sera comme ça, si vous, vous ne voulez pas. C'est je fais comme ça, point barre. On ne sert plus à rien, donc c'est pas la peine qu'on vote non plus. Ça ne sert plus à rien. Ben voilà. Ben non, c'est vous qui décidez. On en arrive. C'est vous qui décidez tout seul. C'est normal ça? La démocratie, c'est pour oui, ça. C'est normal. Non, c'est pas normal. On est en conseil. Le conseil aussi a le droit de décider. Il n'y a pas que vous. Ce que je vous dis, ça a toujours été du dernier week-end de novembre. Ça a toujours été. Les vacances. Ça a été décidé comme ça cette année. Il fallait le dire avant. Et puis maintenant. Non, mais attendez. Attendez, vous nous avez donné, les dates. On en a parlé avant. Non. Ah bah attendez, il n'y a plus de commission. J'ai demandé, non. Ça fait combien d'années que je demande des commissions pour... Il n'y a plus de conseil. Non, le mois dernier, il n'y a pas eu de conseil. C'est bon. Donc, vous êtes contre la durée. Contre la durée. Je persiste et je finis. Oui. Je vous demande, la question n'est pas... La question est... Notre réponse est... Est-ce que vous êtes d'accord pour payer donc, les différents devis que je vous ai donnés tout à l'heure? À condition de la durée... Il n'y a pas de condition, c'est... Eh ben c'est oui ou c'est non? Eh bien c'est non. Bon. C'est tout. Ok. Donc il n'y aura pas de sécurité, donc il n'y aura pas d'éclairage. Ben voilà. Ça, ce sera de votre faute. Non, arrêtez de dire ça. Non, monsieur le maire, j'ai décidé. Ben c'est grâce au maire s'il y a des illuminations, c'est bien lui qui a proposé tout ça. C'est aussi, ça les gèle. C'est non, pas de la jalousie, c'est à l'initiative. Contre les illuminations, on veut une diminution d'une semaine, la première semaine. Bon, et si la première semaine, on met des bénévoles, ça ne change rien au problème. Voilà. Donc vous nous disiez que de toute façon au-dessus, alors là, vous auriez été obligé de nous montrer d'autres devis. Je vous ai dit qu'on allait vous donner le planning, si vous voulez. Non, pour la société Job and Box, oui. Normalement on aurait dû avoir d'autres devis, puisque ça, c'est quand même un montant conséquent. C'est au-dessus de 900 euros là. Oui, ben là... J'en ai qu'un, ils sont tous pareils de toute façon. Ils sont tous pareils. C'est une boîte intérim, alors. Ils ont tous les mêmes tarifs. Hein. Et pourquoi celle de l'année dernière était 5000 euros moins chère? Parce que le dernier, il y avait moins d'heures. Et que cette année, la préfecture nous a imposé beaucoup plus de... Ah ouais, donc voilà pourquoi... Pas plus de temps. Comment? De personnes. Et derrière, on était à 6 et là, on est à 8. Mais ça aurait été bien qu'on ait le devis. Qu'on ait eu. Alors, est-ce que vous voulez le. Ben, il est un peu tard là, maintenant, mais. C'est à partir de quelle somme qu'il faut avoir plusieurs devis? Ça dépend de ce que c'est. Ça dépend de monsieur le maire. Donc là, il aurait quand même fallu avoir plusieurs devis. Mais on peut vous en avoir d'autres, des devis, mais les boîtes intérim, elles ne sont pas en concurrence. Ce n'est pas une marchandise comme ça. Hein. Ben, il aurait été peut-être bien d'en faire plusieurs, en fait. Même si elles ne sont pas en concurrence. Comment tu peux expliquer que les commerçants ne participent plus, alors que c'est eux les principaux bénéficiaires? Ben, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas débourser, c'est tout. Qui n'ont pas compris. Ben et pourquoi la commune continuerait à investir dans ce coup-là, alors? Moi, j'aurais presque envie de dire, ben, on va aller les voir, et puis au mois de décembre, on va leur demander pourquoi ils sont ouverts, après tout. Je veux dire, ben, parce qu'il y a du monde. Ah oui, ben, il y a du monde, et pourquoi? Parce qu'il y a des lumières. Alors, ben, tous les commerçants ne sont pas contents de l'influence non plus de Noël, hein. Il y a une majorité, hein. Voilà. Tu sais bien qu'on ne peut pas faire à 100% quand même. Non, ça, je sais. Donc, ce qui est inquiétant quand même, c'est l'évolution du tarif tous les ans qui augmente et au détriment des Rochefortais qui payent les impôts pour ces illuminations. Il faut quand même qu'on soit conscient de ça. Parce que là, ça fait 62 euros par personne. On marchait avec des bénévoles. 62,50 euros. Il y a deux ans, on marchait avec des bénévoles. Mais lorsqu'on est en France, on ne peut plus fortuner avec des bénévoles, c'est pas possible. Nous oblige
à passer par un système de comment de alors, votre intérêt pour être de sécurité. Bon, ben oui, ben voilà, ça a un coût. Et bien, bien sûr, et donc la solution, c'est de diminuer la durée. On va gagner sur la durée. Et ces bénévoles sont formés à la sécurité. C'est évident. Ils ne sont pas formés à la sécurité. Ah, mais moi, je ne m'occupe pas, c'est une boîte intérim qui les embauche. C'est pas moi. Donc, la boîte intérim, elle fait ce qu'elle veut. Voilà. Moi, je ne vais pas aller leur demander si. Ils vont appuyer leur URSSAF, s'ils ont bien. J'espère qu'elle est en ordre. Voilà. Parce que les bénévoles de l'année dernière, c'était une boîte intérim aussi. À peu près. C'est peut-être pas tout à fait une boîte intérim, mais faut pas être seul. Non, c'est du coup dans des gens qui étaient. C'était presque des gens qui étaient affreinés dans les rues, qui tenaient dans les rues, je suis gentil, c'était dans les bars. Que ces gens-là soient formés quand même pour la sécurité. Bon. Et comment ça se fait que vous qui savez tout, comment ça se fait depuis le temps? C'est que de la critique, on dirait que Jean-François serait au tribunal. Là. Vous lui posez des questions, mais jamais vous avez mis un peu la main à la pâte. Non, jamais. Pour donner un petit coup de main. Bien sûr que non. Pour donner un petit coup de main. Dire ce qu'il faut faire. Parce que vous savez ce qu'il faut faire, mais vous ne le mettez pas en œuvre, puisque vous. C'est juste pour l'affaire est classée, quoi. C'est tout. Hein. Moi, c'est la purée, c'est tout. Ouais, idem. Attends, là, il me dit la parole. Oui, vas-y. Hein. Parce que tu t'en as écouté quand même pas mal. Ouais. Des bénévoles encore qui. Beaucoup du temps, c'est que sur la durée, ça ne change pas grand-chose au niveau du coût. Puisque les premiers. Et surtout au niveau de l'organisation. Parce que les gens qui viennent en début d'élimination, on ne les a pas en surcharge après. Plus ça va être court, et plus il y aura de monde. Bon, ben c'est ta vision, mais c'est pas la mienne. Oui, non. Je ne prétends absolument pas détenir la vérité. J'aurais des doutes. Une analyse. J'aurais des doutes. C'est juste que plus ça sera court, plus il y aura de monde en même temps. Ça, c'est mon analyse. Toi qui dis les noms, et l'installation de la commune est la même. Je veux dire que les gars de la commune qui installent les diamants. Je ne suis pas arrivé de 15 jours. C'est mon quatrième mandat. Attends, je sais ce que c'est. On est en conflit, j'essaie d'expliquer. En conflit, non, pas du tout. Non, je t'ai vu en préfecture te plaindre. J'étais en préfecture. Te plaindre que tu n'avais pas le temps de monter le dossier, mais personne n'était allé te chercher. Je suis un simple citoyen de Rochefort, j'ai envie de dire les choses bien pour ma commune. Parce que tu connais pas le pays du tout. C'est tout. C'est quand même incroyable que ce soit un habitant qui monte le dossier. Comment qu'un élu ne soit pas invité avec toi, Jean-François, c'est quand même logique. Pas ce coup-ci, mais la fois d'avant, le maître Purin était avec son adjoint, ce qui paraît logique. Mais ça me regarde. Ben voilà, c'est ça. Donc je fais ce que je veux. Il y a un moment, ça va plus. C'est tout. Ben Claude, je voudrais bien te voir monter le dossier que Alain a monté. Hein. Bon. Moi non plus d'ailleurs, hein, mais je voudrais bien te voir faire ça. Parce que c'est peut-être bien bénévole qui est capable, justement. Que je pense que la durée ne change rien, ni au coût. Mais par contre, qu'au niveau de Rochefort, on aura moins de monde dans les rues. On va concentrer tout le monde sur les rues, ça n'étale plus long. C'est la seule. Sachant que les deux premières semaines, en fait, il n'y a que le samedi et le dimanche qu'il y a du monde au bord. Trois semaines. Les deux premières semaines, il n'y a que le samedi et le dimanche. Après, effectivement, c'est toute la semaine. Mais. Ça raccourcit de deux jours et le premier week-end, on n'est que, pour optimiser les heures, on n'est que 4, je crois. On va s'intéresser ici. 7 000 personnes le dimanche au lieu de 4, 5 000. Résultat, le préfet va dire ben non, là maintenant, il vous faut 6 surprises au lieu de 4, parce que passer les 5 000. Il en faut plus. Mais vous êtes sûr. Et après, vous êtes sûr d'attirer tant de monde que ça? J'espère que non. Déjà, j'espérais qu'il y avait moins de monde. Ça blinde à chaque fois. Vous êtes au taquet à chaque fois sur les illuminations. Vous êtes débordé sur les illuminations.
Ça fait 3-4 ans, c'est en exponentiel. Ça n'a rien à voir avec le village préféré des Français. Si, un petit peu quand même, ça avait pris de l'importance. Non, c'était le marché de Noël, c'était l'émission qui était passée à la télé, pour en remettre une couche. Bon, alors vous n'acceptez pas? Ah mais Madame Gégou a très bien compris le message, il est enregistré, ça, c'est bon. Hein. Ouais, non mais ça c'est à ton avis à toi. Oui, tout à fait. Vous êtes d'accord? Oui. On ne fait pas Noël. Madame Gégou l'a compris, elle a retranscrit. Il y a les devis qui ont été faits, moi c'est sous ma responsabilité la situation. Eh bien, on réduit. Donc, je ne veux pas réduire. Je peux m'expliquer. Je ne veux pas, parce que ça va provoquer une surcharge de 20%, même seulement 10% de personnes en plus sur les autres week-ends. On ne peut plus assurer. Même à 8, on n'y arrivera pas. Et le DPS, étant donné qu'on sera. Si on est là, le dossier, on a déposé en fait. Obligé d'avoir des autorités supplémentaires. Et vous marquez, Madame Gigou, que monsieur le maire aurait dû demander l'accord au conseiller, en conseil. Oui, sauf que la sécurité, c'est important. Non. Et moi seul. Sur la date des éliminations, monsieur le maire. Ben peut-être, mais. Vous n'êtes pas le seul. Étant donné que vous voulez 3 semaines, moi je dis non. Je n'irai pas prendre le risque d'avoir un surnombre de visiteurs. Et nous, on ne veut pas engager toutes ces dépenses par rapport aux riches portaires. Ils n'ont rien à voir avec les éliminations. Alors, il y a bien d'autres festivités dans d'autres villes et d'autres communes. Qui n'ont pas autant de temps comme à Roche-Ferrantaire, c'est pas possible. Ça va bien avec les éléments. Non, mais c'est bon. C'est bon. Oui, j'ai plus de 3 mois à faire. Voilà. Et moi c'est bon. J'ai toujours travaillé pour l'intérêt général. Mais donc, justement, avec la prochaine équipe, ça va peut-être changer parce qu'il y aura peut-être une autre mentalité aussi. Et là, je vais travailler pour la sécurité. Et donc, je refuse complètement d'avoir 10 à 20% de personnes en plus pendant 3 semaines. Parce que la sécurité, on ne pourra pas. C'est pas possible. Et qui plus est, le dossier est rendu avec les dates. Devait passer au conseil avant. On devait parler des dates. On ne fait pas. Il n'y aura pas de sécurité, il n'y aura pas de Noël. Voilà, et là, c'est clair et net. Noël, ça va me servir. Non, je ne vais pas prendre le risque de refouler du monde. Je te dis, et puis, non, on ne s'en sortira pas. Déjà, on s'en sort difficilement. On s'en sort pas. Hein, c'est ça. On s'en sort pas. C'est ce qu'ils voulaient, donc. Non, c'est pas ce que nous voulions. On voulait. Tu disais, de la nouvelle équipe, quand vous en feriez partie, c'est bien sûr qu'il n'y en aura plus d'élimination. Et comme ça, ça sera votre problème. De toute façon, ce ne sera plus le nôtre. C'est-à-dire plus celui de l'enfance non plus. Mais c'est ça que vous voulez arriver à faire. Non. Il y a tellement de communes qui voudraient avoir un peu de dynamisme. On ne parle pas des gens à côté, parce qu'ils diraient, ils mettraient même 2 bougies, que ça ferait venir un peu de monde. Ils seraient contents. Mais non, nous, on n'est pas contre les illuminations. Surtout pour avoir la mentalité et l'organisation des Rochefort. Oui, mais la mentalité, elle vient d'où, là? T'as raison. Depuis 2 ans. Ouais. C'est pas vous qui l'avez provoqué en voulant voir. Dernière question. Ouais. La mise à disposition du parc du château, alors là. Pas la peine, s'il n'y a pas d'illumination. Tout est fermé. Donc je pense que ce n'est pas la peine d'en parler. Fermé pour la période de décembre. Donc il devait y avoir une animation donc le 1er décembre. Il y a la demande de Jean-Pierre Fourré. Jean-Pierre Fourré, on va lui rendre réponse. Il y a des tarifs pour la sa disposition. Mais ça doit passer au conseil. Pardon? Ça doit passer au conseil. Mais il y a des tarifs qui ont été établis l'année dernière, non? Par le conseil municipal. Oui, mais oui, il demande gracieusement. Et je vous et je et je il et je quoi? Et quoi? Et il reverse 8 € à l'école. Au service de l'école, s'il va. Et j'ai aussi j'ai 2 demandes. Je vous les ferai parvenir. Il y a un marchand de brioche et un marchand de nougat. Qui voudraient, et ils sont prêts à reverser aussi à l'école des royalties sur les ventes des nougats
Il y a des tarifs établis par le conseil municipal. Ils ont l'école à un chalet gratuit, les autres c'est 1000 euros. La salle est louée toutes les semaines jusqu'à preuve du contraire. Je ne sais plus combien, 500 ou je ne sais plus. Enfin, bref, elle est louée. Je ne sais pas pourquoi. En quel honneur. Parce qu'on fait un don. Eh bien, facile, là. Donc vous avez débrouillé des gens, vous avez écrit des gens qui veulent reverser de l'argent à l'école Cérébrado. Ils payent son loyer. Vous pouvez nous montrer ça. Mais ils payent son loyer et puis on reversera à l'école, nous, le loyer, si vous voulez. Ah, c'est vous qui reversez. Non, c'est la municipalité, tiens. Pour donner 100 euros à l'école et gagner 500 euros de location. Bah, c'est bien. Donc c'est vous qui allez décider encore C'est pas moi qui ai décidé, il y a un arrêté. Il y a un arrêté. Ouais, mais ça peut pas. Voilà, vous avez décidé, il y avait des tarifs en décembre. Et pourquoi en juillet, août. Expliquez-nous pourquoi avant ça passait au conseil l'année dernière. Jean-Pierre nous a demandé l'autorisation d'avoir la salle, on a accepté. Et bien, c'était l'année dernière, et voilà. D'accord. Donc, je suis. Il y a des tarifs qui sont établis ici. Si, après, il peut toujours aller réclamer au tribunal administratif. Moi, j'ai une dernière question. N'oubliez pas que ça va passer au conseil. J'ai une dernière question à poser. Vous avez pris des dispositions concernant la loi Egalim ? La loi ? Egalim. Je ne connais pas. Ah, ben, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Le maire n'est pas juriste. Mademoiselle, c'est pas plus du management. Non. Alors, c'est les états généraux de l'alimentation. Oui. Et alors ? Voilà. Donc, il y a une loi qui oblige. Il y a une loi qui oblige les cantines scolaires à fournir un repas végétarien par semaine. Oui. Et ça, depuis le 1er novembre. J'en ai entendu. Voilà. Donc, je voulais savoir si vous aviez pris des dispositions en ce sens. Non, pas encore. Mais il faut qu'on en parle. Quand la loi est le 1er novembre. Il faut qu'on en parle avec la maison de retraite pour savoir si ils peuvent le faire, parce que nous, on dépend des repas de la maison de retraite. C'est eux qui font. Je ne sais pas s'ils vont le faire pour aussi les anciens, et je ne sais pas s'ils peuvent le faire que pour la cantine de. Et là, donc, vous découvrez cette loi aujourd'hui parce que Non, je découvre, c'est le nom qui me. Voilà. J'en ai entendu parler. Oui. Donc, c'est pas prévu depuis le 1er novembre. Non. D'accord. Il n'y a rien eu de. Ça, pourtant, c'est quand même un peu important pour la santé des enfants, des élèves, pour mettre ça en place. Oui. C'est au dernier moment, comme toujours. Je peux même être végétarien à 7 jours sur 7. Mais par contre, il y a des équilibres aussi. Mais là, la loi dit, c'est pas ça, c'est un repas végétarien par semaine. Après, c'est un autre débat qu'on peut avoir. Ils ont des carences. Non, mais c'est pas le cas. Mais oui, c'est un jour. Et là, je ne veux pas rentrer dans ce débat parce que là. Bon, la séance est levée. Je vous remercie.